Salut les amis, alors nous voici de retour pour la suite du let's play de Sekiro Shadows Die Twice. On s'était laissé devant cette grosse porte en bois et avec une mission qu'un PNJ nous avait donnée où il fallait trouver et tuer trois personnages qu'il appelait des rats. Donc on va aller voir ça tout de suite. Il a dit qu'il était à l'entrée. Ils doivent pas être très loin, je pense. Je vais aller voir les petits bonhommes qu'il y a là-bas. À mon avis, c'est ça. Parce que j'en vois trois. On va vérifier ça tout de suite. Raté. Ça, c'est malin. Voilà. Et on va retourner le voir, voir si c'était bien ça. Voilà comment mourir bêtement. Effectivement, bien cela. Alors, texte ésotérique Ashina. Un abrégé décrivant l'escrime Ashina permet d'apprendre les compétences Ashina. Le texte prend la forme d'une histoire des combats d'Ashina. Ashina, jeune Ishin, s'est battu sans cesse et a peaufiné sa technique dans le sang de ses ennemis. Il a consolidé ses découvertes en une escrime Ashina destinée à assurer la domination de son clan. アシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ。その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。 Je suppose que c'est une voie d'escrime en plus. Ça, c'est fait. Ça, on va vendre. Donc on va pouvoir aller voir la suite maintenant.
on va regarder. Ouais, donc c'est bien ça, c'est une voix en plus. Ça peut être pratique pour ceux qu'on les lance, par exemple. Donc, nous allons continuer. Toi, t'es revenu, bien sûr. Alors, nous allons passer par là. A l'air un peu plus sûr que le chemin général. Nous arrivons donc ici. Voilà, un petit grand Mikili qui passe bien. Alors, j'ai quoi comme item? Ouais, pas grand chose. Allez, viens là, mon gros. D'accord.
Alors, nous voilà au château d'Ashina, enfin à l'entrée en tout cas du château d'Ashina. Ah, allez, viens là, toi. Non, mais vous croyez m'avoir comme ça, peut-être. T'es énervé, toi, dis donc. Voilà qui est fait. Alors j'ai combien de perles avec tout ça? J'en ai deux. Ok. Bien pratique ce petit contre-maquillé. Le tour enflammé qui était pas si dur que ça. Je m'attendais à un peu plus de difficultés. Bonjour. Nani o ogande iru. Ai. Omae san, senpōji o shiran no kai? Kongōzan no senpōji. On va aller lire le souvenir qu'il y a ici. クロ様、黒源ですね。エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。OK。 Moi, j'ai vu qu'on pouvait aller par là. Je vais aller voir ce que c'est. Je vais pas aller très loin non plus parce qu'après, je pense que je vais explorer plus par là parce que c'est la route qui a l'air de plus aller vers le château. まったく難儀な仕事じゃった。
だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃが、無理くり着せているからの。何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。D'accord. J'en prends note. Une clé d'une salle de garde de samouraï, située dans le réservoir Ashina, non loin du puits où était gardé l'eau. C'est là qu'est entreposée dans le plus grand respect la corne brisée du démon Gyobu. La corne brisée est la lame de la lance qu'utilisait le démon Gyobu. Quand elle choisit sa cible, il est impossible de lui échapper. Elle attire les ennemis vers elle et peut leur faire perdre leur armure. Ah, ça peut être pratique. Le réservoir d'Ashina, il a dit. Par où on était arrivé? Je crois que justement là on est sur le pont où on était passé en dessous. Je sais pas si vous vous souvenez quand on s'est échappé avec le Seigneur. On apercevait justement deux gardes qui parlèrent ensemble. Pas juste là, on arrivait juste là, puis on était en dessous. Après, sur la gauche, il y a la porte où on a été dans le champ de fleurs, et on s'est fait couper le bras. Donc on doit pas être très loin de là où je t'ai parlé. On va essayer de voir ça. Un outil de shinobi en plus, mine de rien, ça peut être sympathique. C'est la fête des idoles. Voilà, il y avait des loups. Le seul loup ici, c'est moi. Donc, copyright, les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est fait. À toi. Voilà. Donc c'était bien marqué réservoir d'Ashina. Donc on doit pas être très très loin. On va fouiller un petit peu dans le coin du coup. Puis quand on aura trouvé l'outil de Shinobi, on ira dans l'autre sens. Où il y avait la petite dame qui priait. Parce qu'à mon avis, s'il nous donne une clé pour l'outil de Shinobi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important par là. On va aller voir. Puis on reviendra vers le château quand on aura été voir ça. Avec ton gong, tu vas te taire. Voilà. Oula. On me tire dessus. Cherchons une cachette. Ah bah. Oh, à travers le mur, t'es sérieux? La caméra, des fois, elle est pas top top, hein, quand même. Si sans le vouloir, on a ouvert la loge pour se cacher.
l'outil doit pas être très loin. Ah voilà. Tout ça là-bas, il y a des coraux. Je suis donc d'avis, comme d'habitude, quand on gagne un outil, qu'on aille le faire mettre à notre ami le sculpteur. Comme je le disais, si on a la clé sur le pont où il y a la vieille femme qui prie, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important là-bas. Toi, t'es mort dans une drôle de position. Ça s'ouvre pas de ce côté. D'accord, c'est pas grave, je vais prendre ça. Voyager. Elle parlait du temple Senpo en plus, et je vous avouerai que ça me rend assez curieux, tout simplement. Ça, plus la clé qui donne accès à l'outil de Shinobi, j'avoue que ça me rend curieux. Donc j'ai envie d'aller voir. Est-ce que j'avais une graine? Oui, j'avais une graine. Non, j'en avais qu'une, c'est déjà pas mal. Ah, ça commence à faire. Donc, un outil de prothèse doté de la corne brisée de Kyobu. Coûte des lambeaux. Oui, bah, ça comme d'habitude. Déchaîne des attaques des stocks à distance. Les ennemis légers touchés par l'attaque sont attirés vers l'utilisateur. Cette arme peut même arracher les armures, on appelle ça le démembrement d'armure. C'était l'une des techniques de Gyobu Oniwa. Ça fait un peu le grappin de scorpion dans Mortal Kombat, quoi. Alors, R2 et stock, poussez vers l'avant avec la lance. Et R2, R2, tirez. Attirez vers vous un ennemi frappé par la lance peut même arracher un morceau d'armure. C'est exactement ça. Ça fait le grappin de scorpion. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? On peut améliorer les pétards ou les shurikens. J'ai plus amélioré les shurikens, je pense, pour l'instant. Et donc après, on pourra améliorer la lance et la hache. Et bien sûr, les pétards. Ok, donc les nouveaux shurikens, ils nous disent quoi? Un shuriken amélioré par une énergie cinétique latente. Coûte des emblèmes spirituels. Renie la vitalité et la posture de l'ennemi, inflige de plus grands dégâts aux ennemis qui bondissent. Lâcher l'énergie stockée dans le ressort permet de continuer à blesser les ennemis au-delà de la première cible. Ce sont comme des toupies avec des lames. D'accord, donc faut maintenir pour faire le... Devana, mata, hisashikurai nara. Bon, bien sûr, on va prendre cela. Plus efficace et coûte le même nombre d'emblèmes, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Je vais faire un tour dans mes objets par contre, parce que ça n'a plus besoin, c'était pour Dame Papillon. On va mettre ceci, l'huile. Je pense pas qu'on va en avoir besoin tout de suite. Donc je vais mettre ça. Retournons donc voir cette vieille dame. Donc au château d'Ashina, et c'était... Non, pas le réservoir, c'était le château. Voilà.
Du coup, on a dit qu'on allait l'explorer par là. Je sais, la curiosité est un vilain défaut, mais pour le coup, ça me donne plus envie que d'aller directement au château. En mettant des coups de katana dans le vent, tu vas réussir à me toucher, toi, par contre. Alors, il y a un loup. Oh, trois loups. Et un gros monsieur avec une cloche sur le dos. Les loups, je devrais pouvoir me les faire d'ici avec les shurikens. Et toi, voilà. Et je peux me le faire discrètement. Bah, c'est un peu loin, il faudrait qu'il se rapproche. Oh, tu vas bien te rapprocher quand même. Non, je veux pas. On va attendre qu'il m'oublie un peu alors, voilà. Eh non, il m'a pas pris à revers. Oui, il fait mal avec sa cloche. Il fait mal avec sa cloche et nous on lui fait pas très très mal. Donc on va essayer de se faire oublier. Voilà. Trouver un moyen pour réussir à le contourner. Et elle l'attaquait. Ah, si tu regardes que par ici, ça peut être facile. Ben voilà. Morceau de magnétite. Ouais, donc ça, c'est pour améliorer les outils de Shinobi. Bon, ben finalement, il était gros et fort, mais très bête aussi. La poudre à canon noir. Donc aussi un outil d'amélioration. Enfin, une matière première pour améliorer l'outil de Shinobi. Bon, on va continuer par là, voir un peu. Une petite bourse. Alors les petites bourses, je ne les utilise pas tout de suite parce que contrairement à l'argent, quand on meurt, on ne les perd pas. Donc je préfère les garder pour quand j'en aurai besoin que de les utiliser et perdre l'argent qu'elles m'auront donné lors d'une éventuelle mort. Décidément. Bon, après, je vais pas m'en plaindre, ça m'évite de retourner trop en arrière si je meurs. Ah, un vendeur. Gokuyo. Konna tokoro ni mo. Shisha ga aru tokoro. Mata kuyoshu ari.
D'ailleurs, on peut même leur vendre directement les bourses. C'est encore plus pratique. On va déjà regarder ce qu'il a à vendre. Goutte de sang, ouais, ça c'est pratique. Un fragment de masque. Waouh, 5000 quand même. Un fragment d'un ancien masque de danseuse. Le masque original a été brisé en plusieurs morceaux et ce fragment semble être la partie haute. D'accord, donc c'est le premier fragment en plus. De toute façon, j'ai pas autant d'argent sur moi, mais c'est à retenir. Et perle de chapelet. Ouais, ça, j'aimerais bien une perle, par contre. Comme ça, ça m'en ferait 3. M'en manquerait plus qu'une pour améliorer ma vita. Ça, ça peut être bien. Du coup, je vais regarder si j'ai assez de trucs à lui vendre. Porcelaine 5. Ça, ouais, lui, on peut lui vendre aussi. Les bourses, comme je disais, ça devrait aller. Acheter la perle 1400, et il nous reste assez pour ça. On va prendre des boulettes aussi. Et bon, c'est refait. On s'est bien refait. Et on va même être intelligent. On va lui prendre une petite bourse à 110. Alors pourquoi acheter une petite bourse à 110 alors qu'elle ne donne que 100 pièces? Parce que je préfère investir 110 pièces pour une petite bourse que je ne perdrai pas si je meurs que garder 127 pièces que je perdrai si je venais à mourir. Pour moi, c'est un investissement plus sûr. Alors, qui a-t-il par là? Ouais, c'est quoi ça? Le donjon abandonné, d'accord. Ah ok, ils reviennent. D'accord. Et donc faut vous tuer 2 fois. Très bien. Poudre de témérité. Un remède utilisé par ceux qui côtoient les morts réduit l'accumulation de terreur et augmente la résistance à cet effet. Que ce soit les gardes de cimetière, les bourreaux ou les pilleurs, tous ceux qui côtoient la mort en ont sous la main. Ils suivent aussi une règle simple. Si la terreur vous prend, cachez-vous. Donc on a des petits monstres qu'il faut tuer 2 fois. Très bien. Un item là-bas. On a quelques emblèmes spirituels. On a un mec là-haut. On va déjà aller prendre ça. Apparemment, il riposte pas, donc sont pas très dangereux non plus. C'est un trou.
une idole, c'est parfait. Je vais prendre ça. Mais avant de continuer par là, j'aimerais bien remonter où j'étais. Bah, on va se taper tout simplement. Parce qu'il y avait un mec et il y avait encore des objets à prendre. Je préfère bien explorer pour ne rien louper. Voilà. On va essayer de pas tomber dans le trou cette fois-ci. Donc, il nous restait ici à voir. Le mec là-bas et l'item à ses pieds. Il n'y a pas de mauvais tour apparemment, donc c'est bon. Ah, mon chien.忍びの方でしょうか。そうだ。やはり Lettre ensanglantée du chirurgien. Une lettre tachée de sang de Tosaku, le chirurgien du donjon abandonné. Nécessaire, un homme robuste, de préférence un maître samouraï, ou un jeune et solide soldat. Par exemple, un membre de l'unité Talo ne doit pas être blessé. Tosaku. Même pas les espèces de ghouls qui me touchent, c'est les petits cafards. Lâche-moi toi. Les petits cafards qu'il y a au sol, j'allais dire, mais non. Les ghouls aussi peuvent me choper. Je les croyais inoffensifs, mais à faire plutôt attention. Alors, masse rouge. Une masse rouge et ronde. Bon, on dirait un peu un cerveau. On ferme les yeux rouges une fois consommés, un état qui augmente la résistance au tressaillement quand on est attaqué. Toutefois, cet état empêche toute résurrection. Ces masses rouges rappellent quelqu'un qui n'a jamais pu assouvir ses désirs. Quand on les touche, on remarque qu'elles sont tièdes et semblent émettre une pulsation. Ouais, c'est un mode survitaminé, mais tu peux pas tresser, quoi.
Du coup, bah nous voici donc au totem de tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on va continuer par là. C'est sombre. Pas l'air d'y avoir d'ennemis, ou je les vois pas. Si, il y a un mec là. Et il y en a un là. Voilà. Eh, hey, pourquoi tu me tires dessus, toi? Non mais oh. T'as cru que j'allais te laisser me tirer dessus comme ça? Poudre à canon noir. Poudre de témérité. Par où allons-nous aller? Continuer par là, apparemment. Oh, il y a quelque chose dans l'eau. Ah mais c'est pas vrai lui. Je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau. Mais quand j'ai vu la flèche rouge derrière moi, j'ai préféré me dépêcher. Parce que vu l'ambiance des lieux et son titre, ça s'appelle quand même le donjon abandonné. J'aurais pas voulu savoir ce que c'était. Hein. À mon avis, ça devait pas être très très commode. Hein. On va aller par là. Oui, j'ai même pas équipé mon nouvel outil, tiens, pour l'essayer. Je vais mettre à place des pétards, tiens. Actionner le mécanisme. Bah oui. Pourquoi pas? Ça, c'est la toile d'araignée. Goji. Soko no Goji. この戦法寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。
それでももしこの戦法寺に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。Bah, c'est encourageant, dites-moi tout ça. Alors, ça, il manque une perle de chapelet. Bah, écoutez, les amis, sur ce, on va se laisser là. Et on va voir la prochaine fois si cet avertissement est justifié ou pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye!